Salut, je m'appelle Isaac, j'ai 10 ans, je joue à Wascal. Salut, je m'appelle Marwan, j'ai 14 ans, je joue à Wascal. Salut, je m'appelle Jasim, je joue à Mons AC et j'ai 14 ans. Salut, je m'appelle Ismaël, je joue à Mons et j'ai 12 ans. Mons, c'est en Belgique. Hein. Salut, je m'appelle Denis, je joue à la Louvière et j'ai 11 ans. La Louvière, c'est le terrain qui est ici. Donc là, on a Denis, Isma, Jasim, Marwan, Isaac et Isaac. Tous les 5, on a fait tous les 6 avec moi. On a fait un mode aujourd'hui. Enfin, c'est sympa à mettre inspiré. Hein. Ouais. Et la plupart jouent à Wascal, donc pour ceux qui ne connaissent pas Wascal dans la région, c'est le meilleur club hein, après Lille et Valenciennes-Lens. Hein. Et après Mons, c'est à la frontière, c'est en Belgique, c'est ça? Non, c'est aussi là. C'est là? Ouais. C'est à la frontière alors? Non, c'est juste là-bas. Mons en barrage. Ah, parce que Mons, c'est un club en Belgique. C'est un club en Belgique. En Belgique, ouais, j'ai confondu. D'accord, ok. On a deux. Donc voilà, on a fait un bon match, les gars. Et qu'est-ce que vous avez à dire à la caméra? C'était super cool. Ouais. Super cool. Ouais, c'était marrant. C'était physique. On a bien sué. Bah, c'est le principal. Denis, t'as un petit message à passer à la caméra? C'était bien. Denis, il est timide. Après, lui, il devrait mettre des grillages aussi parce que j'en ai mis trois. Ah, Marwan, il a pris trois petits points. Et les mêmes. On peut couper à la caméra. Non, parce qu'à mes potes, ils vont voir. Ça te regarde ça. Non. Mes potes, ils vont voir. Y'a pas intérêt. Si. Bah, de toute façon, on va aller voir. On voudrait mieux couper. On voudrait mieux, ouais. Bon, merci les gars, c'est sympa. Ouais. Moi, je vais ranger le matos et je vais aller. On se dit à la prochaine. Ouais. Bon, allez, mec. Un par un. Merci, Denis. Même si Denis... Il est venu à l'improviste. Il est venu à l'impro, il connaissait même pas la chaîne. Tu vas te dire dans le nom. Merci à toi. Merci les gars, à la prochaine. Les grillages. Et le phénomène. Et une question, tu penserais faire quoi avec quand tu auras les 100 000 abonnés? Ah, je sais pas du tout encore.